Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la première lumière de ce gros engin. Je vous l'ai déjà présenté récemment sur la chaîne, c'est une Moravian C3 26000. C'est le même capteur qu'on va retrouver donc dans l'ASI 2600MM. Donc c'est un capteur noir et blanc avec donc sa roue à filtre. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser avec ma 61 DPH. Donc j'ai changé la queue d'aronde, j'ai mis une queue d'aronde l'ossement dit, parce que l'équilibrage va pas être facile là-dessus, je l'ai pas encore fait, donc on va faire ça ensemble. Donc voilà la bête, elle est quand même assez lourde, assez grosse. D'ailleurs, ça fait très bizarre quand on la met avec la lunette. Voilà, donc ici on a un filetage M68 de base. Et j'ai acheté en fait une petite bague à longe donc une bague à longe M68 plus un petit réducteur vers M48. Voilà. Donc spécifique. Donc il va me donner un back focus donc de 55 mm. Bien entendu, je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas si le back focus sera correct. On va essayer de voir ça tous ensemble. Et voilà l'engin. Donc c'est une caméra qui a un capteur de type APS-C qu'on retrouve dans la plupart des caméras d'appareils photo numériques. Donc c'est un gros capteur déjà, avec deux ventilateurs, et c'est une caméra qui va refroidir à moins 43 degrés de la température extérieure. Donc en ce qui concerne la lunette, voilà la petite bête. Donc comme vous voyez, je l'ai montée sur une queue d'aronde de l'ossement dit pour avoir une meilleure rigidité. Donc j'ai mis le focuseur dans l'autre sens et je l'ai incliné légèrement parce qu'en fait on va avoir un balourd ici avec le chercheur qui va me servir de chercheur guide. Et du coup la caméra, je vais l'incliner dans l'autre sens. Voilà, on va essayer d'équilibrer ça comme ça parce que ça va être très compliqué je pense de faire mieux. Donc on va voir comment ça va se comporter. J'ai bon espoir que ça se passe bien au vu de la monture. Une Q6, je pense qu'on est largement bon. Donc je vous invite à me suivre pour le montage. Bon, voilà, on est quasiment prêt. Donc ce soir, je vais essayer de faire la première lumière de cette caméra sur la nébuleuse NGC 7000. Donc je l'ai déjà faite avec la même lunette, avec la TIC 460. Donc ça aura pour but aussi de vous montrer la différence entre une TIC 460 qui a des pixels de 4,54 microns avec une caméra ici qui a donc un capteur qui est plus gros, un capteur APS-C avec des pixels de 3,74 il me semble microns. Donc ça en résulte une différence d'échantillonnage quand même assez important sur ce type de lunettes. Ici on a une lunette qui a 274 mm de focale, donc qui a un pouvoir séparateur où avec la TIC on n'arrivait pas au maximum de la capacité du pouvoir de séparation de cette lunette. Donc ici avec la Moravian on va s'approcher un peu plus, donc on devrait gagner normalement en piqué, tout dépend bien sûr du ciel. Et aussi en champ. Donc j'espère vous montrer ça donc dans la suite de cette vidéo un peu plus tard. Donc cette caméra dispose d'une roue à filtre intégrée de 7 positions. Donc j'ai installé des filtres LRVB HA
S2 et l'O3, je ne l'ai pas encore. Il y a un petit problème d'approvisionnement chez Astronomique qui ont eu des problèmes de qualité des fils, donc ils n'ont pas pu les fournir. Mais ça viendra. Donc ce soir, je vais faire que du H-alpha. Voilà, on ne va pas s'embêter à essayer de faire du SHO. De toute façon, je ne pourrai pas. Donc on va essayer de faire du noir et blanc avec le filtre H-alpha 6 nanomètres. Donc je vais essayer de poser le maximum possible dans la nuit. Alors cette caméra, elle dispose de deux capteurs différents, donc je parle bien du capteur de la 2600mm. Il y a un capteur qui est dit industriel et un capteur standard. Le capteur standard, c'est celui qu'on va retrouver sur les caméras génériques, voilà, les ASI, les QHY, etc. Et Moravian propose une option, c'est le capteur pro industriel qui lui est donné pour un temps de pause illimité, alors que le standard lui est donné pour un temps de pause environ de 300 heures de temps de pause par an. Bon, 300 heures c'est quand même largement suffisant pour le commun des mortels, sauf si vous avez un télescope au Chili. Cependant, j'ai déjà parlé de ça dans ma précédente vidéo que je vous mets en lien en fiche, et c'est que en Europe il est assez difficile d'avoir des capteurs standards, tout simplement parce que l'Asie, hein, QHY, ZWO se procurent directement chez Sony, ce sont des capteurs de chez Sony. Et en Europe, il faut passer par des importateurs, et les importateurs, bah, ils galèrent à fournir les fabricants européens. Mais bon, j'ai fait le choix de prendre la version pro parce que voilà, j'avais un peu de sous de côté. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette caméra, et j'espère que la nuit va être bonne, tout simplement parce que toute la journée, il a fait couvert, et quand je vois les petits nuages qui se trimballent par là-bas, je sais pas ce que ça va donner. Donc j'espère que ben, dans la suite, dans cette vidéo, vous pourrez peut-être voir l'image que je vais en sortir ou pas. Alors Moravian ne fait pas que des grosses caméras comme ça. Vous allez pouvoir retrouver donc ce capteur dans une version un peu plus petite. J'en parle déjà et je vous présente un petit peu le corps de ce que ça peut donner donc dans ma vidéo de présentation des caméras Moravian. Et avec des prix forcément beaucoup plus attractifs, même si bon, on est sur une gamme de matériel qui est un petit peu plus élevée que ce qu'on va retrouver chez ZWO ou QHY, donc les prix, il faut pas s'étonner, sont un petit peu plus élevés. Et toute cette gamme, vous allez pouvoir retrouver sur mon site de vente, univers-astro.fr. Voilà, je remets le lien en description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des choses très intéressantes, ils font des nouveaux types de caméras avec des capteurs CMOS, voilà, relativement plus abordable que ces gros-là. Il faut savoir que même chez ZWO ou chez QHY, ces capteurs-là sont à plusieurs milliers d'euros. Donc on va retrouver quand même des capteurs genre 12 mégapixels, 7 mégapixels avec des tailles de pixels différents et avec des choses, voilà, qui sont beaucoup plus abordables. Alors je voulais aussi annoncer que j'avais changé d'ordinateur portable, et ça c'est un super bon point parce que l'autre était vieillissant, il avait plus de 10 ans. Et il m'empêchait de faire des lives astro directement en visu assisté. Et j'espère pouvoir, voilà, vous faire profiter prochainement de ce nouveau matériel pour vous présenter donc des objets du ciel profond. Alors n'oubliez pas bien sûr l'abonnement, la cloche et puis tout de suite la photo pour voir ce que ça a pu donner. Et ben voilà, notre petite soirée d'astronomie c'est terminé, et bien je dirais même non sans mal, hein, pour vous refaire une petite rétrospective. En fait, lorsque j'ai initialisé la caméra dans Prism, bah, il m'avait déjà fait un petit bug bizarre, il me mettait en nombre de filtres 500 filtres. Je dis bon bah tant pis, j'ai déconnecté, reconnecté. Ensuite, quand j'ai voulu reconnecter, il me mettait l'initialisation de la roue à filtre impossible. Je dis merde, c'est quoi ce bordel. Du coup, ensuite, j'ai essayé avec le logiciel de Moravian, ça marchait pas non plus. J'ai mis qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc, j'ai redémarré l'ordinateur, ça faisait pareil, impossible d'initialiser la roue à filtre. Bon, bah alors, j'ai mis un bon moment avant de me décider à démonter la caméra. Et en fait, quand j'ai démonté la caméra, j'ai vu que la roue à filtre était bloquée. Donc j'ai démonté, j'ai ouvert la parce qu'il faut ouvrir, j'ai ouvert la caméra, j'ai démonté la roue à filtre, je regardais qu'est-ce qui se passait, j'ai dit putain c'est bizarre, les vis de fixation des filtres ils vont vachement loin, et ils tapent dans le socle, dans la carlingue, dans la carcasse de la caméra. J'ai dit bon bah peut-être j'ai mis la roue à filtre à l'envers, donc j'ai les retourné, donc là ça passait, j'ai tout refermé,
j'ai tout remonté, j'essaye, toujours pareil, le même message, hein, initialisation impossible. Donc j'ai un moment j'ai cru que j'avais cramé le moteur parce que du coup bah, la roue à filtre elle tournait pas, elle était bloquée avant. Donc on peut cramer des affaires. Hein. Bon franchement ça m'aurait étonné mais bon. Donc je redémonte, je revérifie, qu'est-ce qui se passe, je remets dans l'autre sens, bah ouais non, effectivement ça bloque. Et là bon, je retourne voir dans la boîte de la caméra et qu'est-ce que je vois? Un gros sachet de vis avec des vis en fait qui étaient plus petites. Et en fait, Moravian fournit donc des vis de différentes tailles et puis même avec des certaines fixations spécifiques qui nous permettent de mettre plusieurs marques. Il y a des marques plus épaisses que d'autres. Et du coup, bah, si on a un filtre épais, il faut mettre les vis longues. Mais si on a un filtre comme moi astronomique qui est un peu plus fin, et ben du coup, il faut utiliser les vis courtes, sinon on vient taper au fond et on bloque la caméra. On bloque la roue à filtre. Donc ouais, ça m'a pris une bonne heure et demie pour trouver ce qui se passait, mais bon. En finale, arrivé autour de minuit, minuit et demi, j'ai pu enfin lancer les pauses et j'ai réussi à faire donc 4 heures de pause en H-alpha. Donc c'est du 6 nanomètres de chez Astronomique. Et donc avec la caméra C3 26000 Pro de chez Moravian. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je vous le dis tout de suite, c'est très très loin d'être parfait parce que qu'est-ce qui se passe avec le poids de la caméra? Eh bien, la caméra, elle s'affaisse, elle est très lourde. Donc du coup, ça crée un tilt. Hein. Le tilt, c'est quoi? C'est quand le capteur n'est plus parallèle au rayon lumineux qui arrive. Hein. Avec le poids, le capteur se retrouve comme ça. Donc on va avoir une mise au point en bas qui va être différente de la mise au point en haut quand on a une mise au point correcte au milieu. Et du coup, on va avoir des étoiles déformées dans les coins et ça va être dégueulasse. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des petits, entre guillemets, problèmes de guidage. Je dirais pas ça que c'est un problème. Mais j'ai changé d'ordinateur, donc j'ai réinstallé prise, mais forcément j'ai perdu tous mes paramétrages. Donc j'ai dû refaire plusieurs fois les paramétrages. Et il y a une chose que j'avais oubliée, c'était de ne pas débuter la pause tant que après le dithering. Donc lorsqu'on fait la première pause, on dit au guidage, bah tu vas guider sur un autre pixel à côté pour éviter, ça permet de diminuer le bruit. Hein, je vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup, il faut attendre que le guidage se mette sur le bon pixel et que ça y est, dès que c'est sur le bon pixel, on lance la pause. Sauf que là, j'avais pas réglé ça et la pause, elle se lançait un peu trop tôt avant même que le guidage soit bien prêt, bien calé. Donc, ce qui me faisait donc des filets d'étoiles à chaque fois. Bon, je m'en suis rendu compte que trop tard, hein, mais c'est pas bien grave. Donc, on va comparer maintenant deux brutes, les brutes que j'ai fait avec l'ATIC 460EX et celles que j'ai fait hier. Et on va regarder un petit peu la différence. Donc déjà, on va regarder une chose très intéressante. Donc ça, c'est une brute de 15 minutes. Voilà, c'est une seule pause de 15 minutes. Ici, c'est pareil, c'est une seule pause de 15 minutes avec la tique. Donc la tique est à droite et la Moravian est à gauche. Donc bah, première chose qu'on remarque, c'est la différence de champ apparent, quoi, hein. Imaginez, regardez là. Voilà, là, on a à peu près le champ... La différence de champ. Donc on se rend bien compte que le capteur est quand même beaucoup plus gros. On est sur un type APS-C et l'autre on est en dessous, on est autour de 1 pouce je crois, quelque chose comme ça. Donc la différence de taille est quand même très flagrante, d'où aussi la grosse différence de tarif. Hein. Faut bien se rendre compte que plus le capteur il est grand et plus il va coûter cher et toute la mécanique autour pour refroidir le capteur va coûter cher. Donc c'est tout à fait normal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ben, on peut regarder le tilt. Hein. Donc là, on peut voir que c'est à peu près correct. Après, il y a des coins. Donc ici, on voit que ça s'allonge un petit peu. Donc il y a peut-être une petite problème de back focus. Mais quand on va dans ce coin-là, on voit que les étoiles elles sont beaucoup plus pâteaux. Ici, ça fait des doubles étoiles. Là, donc ça, c'est un problème de mise au point. Donc en fait, c'est tout à fait du tilt. Hein. Le tilt, c'est un problème de mise au point en fait entre les deux côtés. Donc bon, bah pour régler ça, il y a des petites vis tirantes pour centre. Il va falloir que je fasse ça. Mais bon, c'est l'un des problèmes les plus chiants à régler. Hein, c'est par itération, c'est super chiant. Hein, donc j'avais pas le courage hier soir. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Franchement, il y a quand même beaucoup de signal. Hein. Bon, il y en avait aussi beaucoup sur la tique, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Les deux marchaient très bien. Hein. Après, le problème de la tique, c'est qu'elle avait un échantillonnage avec cette petite lunette de 3,4 secondes d'arc par pixel, ce qui est beaucoup. Donc qu'est-ce que ça va avoir tendance à faire? Bah, sur les petites étoiles, on va leur retrouver les petites étoiles carrées. Donc ça, c'est typique d'un échantillonnage de ce genre.
Et on va avoir beaucoup moins ce problème sur la Moravian parce que la résolution est beaucoup plus grande. On va avoir 2,8 secondes d'arc par pixel, donc ce qui va nous éviter un peu plus ce problème. Donc ça, on va retrouver ce problème surtout quand la focale est courte, hein. Voilà, de toute façon, quand les focales sont longues, c'est pas très grave, hein. Justement, ça va être l'inverse. Quand les focales vont être beaucoup plus longues, il y aura moins d'intérêt à aller vers des pixels plus petits parce qu'on va re se retrouver avec des gros problèmes. Ensuite, le moindre défaut de suivi, ça va plutôt se voir. Sauf que sur des pixels plus gros, ça va moins se voir. Bref. Donc sinon, en termes de bruit, on peut regarder un petit peu les statistiques entre la brute HA de la TIC. Donc ici, il faut regarder le standard déviation. On va être à 35 RMS, 35 ADU-RMS. Donc c'était déjà très bas, hein. Faut savoir que quand on fait de la photo comme ça en filtre restrictif, de toute façon on va avoir un niveau de bruit très faible des deux côtés. Théoriquement, on va en avoir moins sur la caméra C3 26000 parce que c'est un nouveau capteur qui est pas très bruité. Et aussi surtout parce qu'on va être donc la TIC c'était sur 7 nanomètres le filtre, là on était sur un 6 nanomètres, donc on va voir la différence. Là, hop, ici, et là, on descend à 25. Donc, c'est assez significatif quand même, hein. Après, il faut faire gaffe à pas être trop bas. Voilà, donc, mais là, on est très bien. Si on est trop bas et qu'on approche le niveau de bruit d'un offset, on va avoir des problèmes au pré-traitement, ça va bruiter. Mais c'est pareil, je rentre pas dans le détail, c'est pas le but. Donc, ça, je le répète, c'est une seule brute de 15 minutes. C'est pas un stack, voilà, c'est une seule brute. On voit déjà que franchement, même ça se voit, c'est beaucoup moins granuleux. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus lisse. Après, là on est à 1,1, là on est à 2,1, donc zoom, là il faudrait voir comme ça. Donc vraiment, on va avoir un niveau de détail aussi plus élevé parce que là, 1,1, voilà, on a plus de zoom, on va dire, entre guillemets. C'est pas le zoom, mais en fait, c'est l'effet de l'échantillonnage que celle-là. Voilà. Après, il y a beaucoup de détails dans les deux, hein. La TIC, elle se débrouillait quand même très très bien. Moi, mon gros problème, c'était le champ. Je voulais quelque chose de beaucoup plus grand parce que je vais avoir un nouveau tube et je vais en avoir besoin. Voilà, donc maintenant, on va comparer avec les deux stackés. Donc, il y a à peu près 4 heures de temps de pause sur les deux. Donc, ça, c'est bien pour comparer. On voit aussi le format ici. On est sur un format beaucoup plus carré que celui-là. Hein? Après, c'est au goût de chacun. Hein. Il y en a qui préfèrent un format plutôt carré. Ici, on est sur le bas de Laurent, ça doit être du 4 tiers. Ici, je ne sais pas exactement, mais c'est un format bâtard. Donc voilà un peu. Donc ça, c'est un stack de 4 heures sur la Moravian. Franchement, regardez le niveau de bruit. Il est ridicule. C'est incroyable. Après, la TIC, vraiment, après le défaut, voilà, on voit tout de suite les étoiles qui commencent à devenir un peu en carré. Après, en plus, sur une caméra avec un grand capteur, on va moins avoir tendance à aller dans le zoom de l'image. On va rester sur voilà, une image qu'on va regarder plutôt en grand. Ici, on va avoir envie de zoomer un petit peu plus. Voilà, on va avoir envie de regarder à 1,1, alors que si on veut regarder à peu près pareil, ici, voilà, on va être à 1,3, 1,2. Hein, donc déjà on va avoir cet effet de réduction de bruit du fait qu'on ne regarde pas l'image de la même façon. Après ça ne change pas dans le fait que quand on fait du traitement, il faut essayer de le faire toujours à 1,1. Vérifier l'effet qu'aura votre traitement à 1,1. Voilà. Bon. Bon écoutez, moi je trouve cette première lumière plutôt intéressante. Bon, on va remarquer qu'il va y avoir quand même un peu de boulot sur certaines choses, hein, mais bon. Franchement, le résultat reste quand même pas trop mal. Il va falloir régler ces histoires de tilt et de back focus. Mais franchement, quand on regarde ce niveau de bruit, même en tant que refroidissement, je veux dire, j'étais à moins 15 degrés avec la caméra. C'était mon maximum en hiver sur la TIC. Là, on est en été. Là, j'étais à 45% de la puissance. Donc, j'aurais pu descendre beaucoup plus. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas d'intérêt pour le moment. Donc bien sûr, celles-là, elles sont pré-traitées, dark, flat, offset, j'avais tout fait ça. Regardez-moi ces volutes de poussière là, comment c'est vraiment trop beau. Ah, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser à fond
en ayant des étoiles belles partout, parce que je suis un petit peu maniaque là-dessus. Après, vous allez me dire, franchement, t'exagères, elle est trop belle ta photo, où c'est que tu vois des étoiles par onde et tout, mais moi je suis devant l'écran et je sais que bon, bah il y a des défauts, mais je sais très bien que c'est une image franchement, elle fait plaisir pour la première fois là, comme ça, elle fait plaisir quoi. C'est top, topissime. Alors voilà, cette première lumière et l'inspection un petit peu des images est terminée. Alors ici, c'est des images que je n'ai pas traitées, hein. C'est juste un stack. Donc on peut vraiment rendre beaucoup plus de détails après avec un traitement. Donc je sais pas si je vais le faire, mais il y a quand même une belle capacité dedans. Franchement, ça va être top, top, top. Donc après, je le répète, hein, cette image, je ne l'ai pas traitée, c'est juste un stack de toutes mes photos et à peu près de 4 heures de temps de pose. J'ai fait un petit tri, j'en ai enlevé quelques-unes. Et je pense qu'on peut quand même vachement l'embellir après avec un vrai traitement par la suite. Donc la version AT que vous avez vue, c'était aussi une version qui n'était pas traitée, hein, c'était aussi un stack. Donc ça montre bien la capacité qu'elle a, cette caméra, avec cette petite lunette. Moi, de visu et d'expérience, je sais que je vais avoir de bien meilleurs résultats avec celle-là que la TIC 460, qui vraiment, ça m'embêtait, les étoiles, je les voyais, elles venaient plus ou moins des carrés, ça m'embêtait beaucoup. Donc elle n'était pas tout à fait faite pour cette focale-là. Bon, ça c'est pas bien grave. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite photo de la première lumière de la Moravian vous aura plu. N'oubliez pas, vous avez encore jusqu'à la fin du mois d'août pour profiter de 5% de réduction sur toute la gamme Moravian sur le site donc univers-astro.fr. Je mets le code de réduction en lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche et à bientôt sur Astronaut. Thank you.